sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde, Conservatoire Carnatique de Paris vous présente la Bhagavad Gita, épisode 57. Yavan artha udapane sarvatah samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah. Quelle que soit la fonction assurée par un petit puits d'eau, cette même fonction est naturellement assurée à tout égard par un grand lac. De même, celui qui réalise la vérité absolue est rempli également le but de tous les Vedas. Signification. Il existe quatre voies pour la réalisation de soi. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga et Karma Yoga. Peu importe le chemin choisi, une âme réalisée atteindra tous les objectifs définis par les Vedas. Même si les rites et les devoirs ont une utilité limitée, comme celle d'un puits, d'un étang, etc., ils doivent être entrepris par celui qui en est apte afin d'atteindre l'aptitude à la constance dans la connaissance, explique Sri Ramanujacharya. Analogie. Celui qui apprend à conduire doit suivre certains rituels, devoirs et activités. Une fois qu'il devient un expert, ces dernières s'intériorisent et viennent naturellement, jusqu'à ce qu'une personne devienne un expert. Mieux vaut suivre les rituels. Temps de la réflexion. À quel point est-il important de s'entraîner avant d'atteindre la perfection, l'expertise? Laissez votre réponse en dessous. Shri Gurubhyo Namaha Harihi